C'est copier-rater Copier-rater Tu peux pas l'écouter Parce qu'on l'a pas acheté C'est copier-rater Ah là 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 Et normalement, on est en live. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez J'espère. J'espère que. Je pense que oui, ça a l'air. On se déjà. Parce qu'en fait, le problème. le problème Je ne sais pas. Le problème du du là, c'est que c'est que c'est que c'est que pour une fois, c'est moi qui occupe euh, de l'hébergement du stream et euh, à tout moment le stream peut éclater les enfants. À tout moment, à tout moment il peut se cracher oui, À oui, tout oui, moment il peut se oui, cracher. Oui, oui. Sachez se sachez peut-être sachez peut-être qu'on va être cancel là dans deux minutes. Je vais prendre un strike parce que j'aurais fait une merde que Romain ne fait jamais. Et moi que je vais le faire en fait. Donc euh, donc voilà profitez profitez de notre présence. En tout cas bonjour je à tous. Ça. Bonjour à tous les winners euh, qui sont là pour essayer de voir et de déterminer. Il y a déjà quelques winners. Hein. On euh, les voit. Euh, de déterminer ah. en fait. Effectivement, si euh, si la, la Land est un film overhype, hein, effectivement, donc une question absolument absolument putaclic, hein, mais vous savez ici c'est notre culture, notre credo, notre ligne édito. Est notre credo, le bait le bait, et la, la seule, seule et bait. unique ligne édito. L'école, l'école Julien Chies des enfants. Vous nous connaissez. L'école du bait, Julien Julien, ah, Julien Chiez, Chiez, ouais, bien du bien bait, euh, l'école du bait. Bien sûr. Bon, alors on va dire bonjour à nos habitués. J'ai vu que les est de retour. Bonjour lesbétiques, oui. bonjour. bonjour à toi. Bonjour à toi, j'espère que tu auras encore le bon mot ce soir euh, pour nous euh, émerveiller. Euh, alors, je regarde encore qui a encore luminara. Maya, euh, je vois aussi... Euh... Tiens, il y a Karim qui est aussi dans le chat, mais c'est incroyable. Karim est là, Karim <laughs> est là. Tradrim, Widmafly, qui a d'autres encore, Evitoni effectivement. On devrait avoir Chakman en coin. Euh, bonjour, bonjour à tous. Chakman n'est pas là, on ne commence pas. Hein. Ah, ah oui, il n'est pas encore là, ouais, effectivement. Ouais. Ah, non. ah non, non, c'est n'importe quoi. Il y a Modo qui est également là. Il y a Romain Romain, quel oh, plaisir d'être spectateur. Oh, ouais. Effectivement, Romain qui est, qui est là présent avec uh -huh. nous. Euh, et qui d'autre encore est arrivé dans le chat N'hésitez pas à vous euh, à vous présenter, hein. on pas manifester. Vous, oui, ouais. vous présenter. On voit bien vos tronches. Et ben, bah, <laughs> bah, bah, écoutez, euh, formidable. c'est eh incroyable. Bah, et euh, c'est terrible. Euh, <laughs> ouais. euh, voilà, c'est terrible. Excusez-nous, on pourrait pas vous <laughs> mieux ce soir. Hein. On est vraiment au max. Hein. Axenombi euh, ici, salut à toi. Virtuose salut à toi. Président Benson, salut. Modo également. Président Benson, c'est beau ça Champari, euh, oui, c'est ça. Champari, en tout cas, merci à toi pour avoir mis à jour le, le tier list de shitlist on en reparlera dans, dans le code des durandos euh, oui, encore vrai, euh, <laughs> vrai. encore une version une version euh, v2 qui a été euh, lancée le son est plutôt bien mixé gg luc euh, oui, oui, écoute bah, le romain son qu'on n'a jamais ça, eu luc c'est un peu c'est un peu mon jamais. boulot hein, s'il te plaît romain donc bon euh, voilà c'est euh, euh, non mais c'est parce que d'habitude euh, voilà. quand c'est lui c'est <laughs> pas terrible pour ça ah bah putain c'est ludo qui est là c'est ludo petit roby qui est avec Salut Ludo, salut Ludo. Non, tu peux dire aussi que c'est Rewind, hein, le meilleur podcast du monde. Hein, si tu oh mais dire, ça, ça c'est tout ce on sait tous que faut quand même. <laughs> 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 c'est le moment, c'est le moment. Euh, alors alors alors, euh, d'autres. Euh, je sais pas. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire avant de commencer le live Je sais pas. Euh, Oula, La Lande pour vous, c'est un peu. Est-ce est que c'est est un film vraiment over-hypé ou vraiment vous n'en avez strictement rien à foutre En o, fait, en vrai, c'est un film c'est une question bait, donc euh, on sait pas trop quoi dire. Euh, <laughs> tout, c est, c est... Mais finalement, nous, on n'a même pas revu le film. En fait, bouge, on l'a même jamais vu. Moi, j'ai prévu l'autoroute. En fait, on va se concentrer, on va faire juste une analyse du film via l'affiche, en fait. Et les taglines. Exact. Et les taglines exact. Genre, voilà, tout simplement. Exact. Exact. Mais bon, voilà, je, ça va être, ça va être peut-être un peu long, mais bon... c'est un peu de droite, mais je saurais pas comment expliquer. Alors ça, ça me m'intéresse. Romain développe, je sais pas. Je, je l'ai pas vu moi, mais vas-y, hein. Let's go, hein. <laughs> D'accord. Il y a l'Ésbequie qui est chaud bouillante. J'avais pas. Ah oui, je préfère les films de réalisateurs pas éclatés. D'accord. Euh, on a vu Babylone, j'ai vu Babylone, oui. Tu crois que Luke a vu Babylone Non, j'ai pas vu Babylone, j'ai pas, pas osé. Ah, Babylone j'ai vu Babylone, vu Babylone. On, on en parlera dans le cours des Diorandos, euh, parce qu'il y a une rien. rente par rapport aussi à Babylone euh, sur, ce film, sur ce film. Et effectivement, déjà, je vais vous dire, moi je l'ai pas vu, parce que ça me fatigue la promo tout autour du film. Franchement, ça m'a fatigué. Et euh, que ce soit aussi les retours sur Twitter, c'est les lettres d'amour au cinéma. Et là, une blague de, de caca plus. dans les 10 premières secondes c'est un éléphant. Je vais aller plus loin. Non, c'est bon, salut. Non, non, mais attends, je vais aller plus loin et je vais vraiment te convaincre. Là, maintenant. Regardez bien, je vais le convaincre en direct. Dans les 30 premières secondes du film, il y a un éléphant qui a la diarrhée. Pourquoi je ris, moi suis convaincu. J'ai eu Karim. La détresse de Karim. Vous voulez choper le J'ai eu Karim. Ah, dommage collatéral quoi putain. <laughs> Est-ce que je... vous n'êtes pas convaincu là quand même Je, je vais vous dire. Euh, je vous ouais, parlerai, ouais. mais je vous parlerai aussi d'un autre film euh, qui est drôle. Il y a d'autres blagues de encore. caca dans le, dans le film. Hein. Il y a beaucoup de blagues de... de caca. Hein. Il y en a trois ou quatre. Je ouais. vous dis quand même, parce que je sais que c'est un peu un credo qui nous intéresse. Bon, sur trois heures, il y a trois ou quatre blagues de caca. Quoi. Ce qui fait une ça blague ça de caca par heure. Il y a une ouais, grosse blague de vomi aussi. Enfin, il ah y comme ça. Ah c'est cool. Non mais c'est bien Non mais tu vois voilà, je... C'était pour vous le vendre un petit peu voilà. C'est donc ça la lettre d'amour au cinéma quoi. C'est cool. mmh, ah bah, une vraie lettre d'amour au cinéma mmh. Effectivement, effectivement. Incroyable. Si, si t'es aveugle Oui oui Probable <laughs> Ah putain mmh. Bon allez on, on va pas parler de Babylone On parlera peut-être dans le cours de, de Babylone Et nous on va commencer l'émission J'espère que vous êtes prêts Vous êtes chaud Pour parler on est là. Euh, de La La Land Et, et d'avoir la BO dans la tête Encore pendant 8 ans euh, C'est parti On va commencer Bienvenue à tous dans Shitlist Le podcast qui vous parle Que du pire du cinéma Phénomène culturel Quasi un classique avant même sa sortie en France, le film La La Land, troisième film de Damien Chazelle, a cartonné comme jamais, emportant les cœurs des spectateurs et diluant le venin des méchantes critiques pro-françaises, grâce notamment à sa musique, sa mise en scène, son côté nostalgique bonbon de la comédie musicale, son intro et sa fin. Succès de ma boule en termes de chiffres, quasi un demi milliard de recettes pour seulement un film avec un budget de 30 millions de dollars, récompensé à toutes les cérémonies prestigieuses, dont meilleur réalisateur aux Oscars et le meilleur film. Mais non, <laughs> je déconne, c'était Moonlight. <laughs> voilà, ça c'est. La, la vanne random qui était bien relou euh, durant, euh, durant, durant le, le moment où j'ai posé euh, sur Twitter Qu'est-ce que vous pensez de la, la Land Tout le monde m'a balancé cette vanne de merde, j'en peux plus, arrêtez, stop. Mais malheureusement, avec sa BO vendue par Cargo qui nous a littéralement pété la tête, les fans du film plus gênants que les Snyder Zoos et la vague d'étudiants en vaccinés se rêvant de devenir le prochain Chazelle pour aller déclarer leur amour du cinéma en réalisant des films claqués de 3 heures, la, la Land a vite déchanté bon nombre de personnes, puisqu'une fois le train de la peut passer, le joli papier peint tout neuf plaqué, planqué finalement une humidité dégueulasse et les Défaut désormais du film et les de Réal de Chazelle saute directement à la gueule. Et est-ce que finalement on ne se fait pas arnaquer par ce film C'est ce qu'on va essayer de déduire dans ce podcast. Je suis Luc Le guignac et aujourd'hui avec moi pour répondre à cette question, j'ai les Kamel Wally de la critique ciné, Karim Beradia <laughs> du podcast Le Début fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Et Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Vop. Salut Manu. Salut, salut, j'ai déjà envie de te taper sur l'intro, c'est incroyable. <laughs> c'est fait pour. Et Marvin Montes, podcasteur, pigiste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition. Salut Marvin. C'est quoi, c'est un trop de merde là C'est un, ouais. un trop incroyable, c'est trop incroyable. C'est une lettre d'amour au cinéma, Marvin. C'est une lettre d'amour au cinéma. C'est Une lettre d'amour à la critique, c'est. Bon, ouais. Aussi, aussi, aussi beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, tiens, ouais, tu, euh, tu as commencé à ouvrir ta gueule, Marvin. On va commencer avec toi, avec ta <laughs> relation avec Damien Chazelle. Damien Chazelle, qu'en penses-tu de ce réalisateur incroyable je... qui fait que des lettres d'amour au cinéma euh, Il enchaîne les lettres d'amour. Euh, c'est une... une relation que je pensais euh, que je pensais euh, stable. <laughs> et, euh, et heureuse jusqu'à il y a quelques semaines voilà voudrais euh, vous dire que euh, tout se passait bien jusqu'à ce que jusqu'à ce que jusqu'à ce que je comprenne plus trop où il où il a oui, envie d'aller oui. voilà je vais je vais pas en dire beaucoup plus parce que je, je pense que je vais je même dropper un peu tout euh, quand je parlerai de la Lalande parce que parce que c'est important de le resituer par rapport aux autres mais mais on va dire euh, 3 sur 4 voilà, 3 sur 4 Damien c'est pas mal c'est pas mal quand même un bon un bon un bon truc quand même c'est bon un bon ratio, ratio c'est un bon ratio ouais. Manu, ton côté, la relation avec Damien Chazelle euh, Plutôt bonne. <coughs> Excusez-moi. Plutôt bonne <laughs> jusqu'ici. J'ai <laughs> toujours aimé Babylone. c'est euh, tout bah, en disant ça. <laughs> dit, ouais, <laughs> non, non, mais en fait, je l'ai découvert avec la J'ai vu Whiplash qu'après. J'ai beaucoup aimé les deux. Euh, First Man, euh, je l'ai vu assez rapidement et je l'ai trouvé très bon. Et euh, pour l'instant, je suis convaincu. Quoi. Alors après, euh, on reparlera de son style de cinéma peut-être plus tard. Mais il euh, y a des thématiques. Il y a des grosses thématiques de sacrifice et de choses comme ça pour, pour euh, atteindre sa, sa vision, son rêve. Mais euh, je ne sais pas. Là, là c'est là que je le diffère peut-être avec Damien Chazelle. On, on y reviendra sur la langue. Mais en tout cas, euh, techniquement et sentimentalement, un réalisateur que j'admire beaucoup. Okay. ok pour Manu. Donc un réalisateur que tu, as, tu admires beaucoup. Et Karim, de ton côté, je sais que toi, tu es celui qui a peut-être le moins vu le film de Chazelle. Limite en mode... Euh, moi, je vis bien avec. Ouais, enfin, moi, j'avais découvert dans l'ordre Whiplash puis La La Land. La La Land, un film que je pas spécialement plus parce qu'il y avait l'aspect comédie musicale et que ça me toujours un peu. Mais à la base, j'ai plutôt une bonne relation. J'ai toujours une relation, on va dire, correcte. Euh, après, j'ai un sentiment un peu chelou. C'est-à-dire que je trouve, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien, voire très bien. Mais j'ai un peu de mal à comprendre, en fait, le, le sentiment qui va au-dessus de ça, euh, réellement, en fait donc j'y reviendrai plus tard en parlant du film mais c'est pas, pas un mauvais sentiment mais il y a effectivement euh, rien qu'en deux films il films y, a, y a une thématique un peu comme Annie qui me gêne un peu en fait et qui a tendance un peu à, à, brain, à me pourrir un petit peu donc euh, je sais pas trop sympa mais euh, j'ai pas trop envie d'aller devenir son pote plus que ça En enfin, fait, je pense qu'on va les termes. donc voilà je gâche pas Karim hein. des... ah, est-ce que du coup devenir ami je suis chaud hein <laughs> je vois bien ce truc c'est incroyable c'est incroyable alors Erwan me dit que j'ai l'air d'un cadavre et eh ben va te faire reculer. voilà bah, tout simplement alors vu son état de santé il ferait bien de ne pas le oh putain il a sorti le mot magique <laughs> j'ai dit, bon, fait... dit le mot pardon pardon j'ai dit le mot je suis désolé, okay. désolé. c'est sorti tout seul l'autre est misogyne et homophobe et vous le saviez mais bon bref mais <laughs> euh, vu son état de santé Erwan Kirok euh, il ferait bien de pas trop l'ouvrir voilà, voilà, ouais. voilà, bon allez, eh, vous savez quoi, ouais, on va bah mettre bah, 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 la bah, bah, bande-annonce directement, vous me cassez déjà les couilles. Merci à vous, allez, bisous. <laughs> Le son, normalement vous devez nous entendre techniquement techniquement allez-y parler les gars parce que juste pour faire un test de son quand même pour voir si oui, bonjour. In. c'est incroyable putain c'est magnifique c'est splendide c'est complètement fifou euh, mmh. alors La La Land sorti en janvier 2017 en France oui, vous voyez comment <laughs> je suis déjà blasé c'est incroyable j'arrête il faut que ça se finisse cette émission produit par Lionsgate Gate et Mark Platt avec un budget de 30 millions de dollars écrit et réalisé par Damien Chazelle qui avait fait sa percée avec le film Whiplash porté par Miles Taylor la musique est gérée par Justin Hurwitz et les chorégraphies par Mandy Moore au coeur de de Los Angeles, une wannabe actrice prénommée Mia, jouée par Masstone enchaîne les auditions foirées en posant dans un café pourri. De son côté, Sébastien, sous les traits de Ren Gosling, passionné de jazz à tel point qu'il a décidé de péter la tête à sa famille et à la moitié de la ville avec sa petite lubie, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance, subsistance pardon, subsistance, subsistance. En subsistance. Ah ne Je mets pas non. des mots comme ça. Tu, tu, tu je sais, sais je sais. Tu si pu dire trop, pour subsister fort. et tu galères carrément. Voilà, bah, bon, ouais. Ouais, je sais, mais faut que j'arrête, faut que j'arrête de, 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 de me laisser dans les trucs comme ça là. C'est terrible. Mm. Deuxième. Déçus bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, et malheureusement, ils vont se rencontrer et tomber amoureux. L'amour triomphera-t-il de la passion C'est la question que l'on pose sur ce film pendant deux heures. Et Karim, notre philosophe en chef, est-ce qu'il fallait s'embêter à filmer une comédie musicale pour éluder cette question alors que High School Musical le fait mieux Et en 1h30 Alors, je, je vais pas être d'accord comme quoi High School Musical fait quand même mieux que La La Land, même si je veux plus de vibe avec High School Musical, mais ça, je pense, parce que j'ai des problèmes. Euh, la, la Land, c'est un sujet complet. Pour moi, ça fait partie des films qui sont compliqués à regarder parce que il hein, y a deux films dans le film, il y a le film fait par les gens et le film du film. Donc c'est toujours des projets qui sont un peu complexes dans le sens que moi je veux pas je veux pas euh, sauter sur les sorties. Donc là, La, la Langue, j'étais limite incombé de la voir parce que c'était euh, le film de ma vie, euh, le truc qui révolutionnait le cinéma. Donc, déjà, premier visionnage à la, la Langue, j'y suis allé un peu à reculons pour ça et aussi pour ce que c'est à la base. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les comédies musicales, c'est pas vraiment voir du tout mon truc. Ça fait partie des styles, moi, qui peuvent me faire passer euh, à travers, euh, travers d'un truc. Tu vois, c'est genre, Marie-Popine, ça me gaffe, tu vois. Euh, donc là, la langue, quand je regarde ça, bon bah j'essaye quand même, tu vois, d'y trouver un intérêt. Et bon, je vais pallier quand même les trucs que j'aime bien d'office. Hein, je trouve le film euh, beau, hein, dans plein de moments. Bon, je veux dire, il y a plein de choses qui sont très, très belles. Il y a une mise en scène qui se veut, qui essaye d'avoir de la personnalité, qui à un moment fonctionne, surtout quand tu... Voilà le réalisateur sur deux films consécutifs, tu sens qu'il voilà, qu y, qu y a des choses qui essayent d'aller dans le même sens. Un euh, jeu, j'ai un gros big up sur les acteurs, j'aime beaucoup Emma Stone et j'aime beaucoup Ryan Gosling et je les trouve très bons là-dedans. Mais le film, en fait, il m'emmerde, c'est qu'il aurait pu, encore une fois, il aurait pu être moins dégueu, euh, dans le sens que ce film, déjà, ils se comme étant une musique musicale, pas vraiment d'accord, dans le sens que des moments comme musical, tu en as quelques-uns, mais un film qui se veut plus être un film musical. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'emmerde avec la Lande, c'est que... Le film, je trouve vachement plus réussi quand il utilise un, la musique, enfin, quand il va faire de la mise en scène pour montrer de la musique, quand il va utiliser la musique pour faire de la mise en scène. Et le film, en fait, il passe son temps à jongler avec ça de manière un peu déséquilibrée, parce qu'il y a plein de moments où justement, en fait, on va mettre en scène le fait de faire de la musique. Et là, le film devient intéressant. Je le trouve cool. Je pense les moments les où il joue du piano <laughs> avant de se faire virer. Euh le club où il joue rapidement, patron c'est Simon, le moment où ils chantent tous les deux aussi, il euh, y a des moments comme ça qui sont cool, tu vois, et ça c'est des moments qui me plaisent, mais c'est entremêlé en fait de d'espèces d'onirisme de comédie musicale qui en fait, vu que c'est censé être le truc important du film, je trouve que toutes les parties comédie musicale, tu peux les virer du film en fait, mmh. vraiment. Je veux dire, tout le monde, se... tout le monde... alors tout le monde s'éclate sur la scène d'intro. Moi, la scène d'intro, c'est ce que j'aime le moins quelque part. On parlera peut-être de la fin, mais parce que pour moi, en fait, on est vraiment sur de la pure comédie musicale. On se veut brebouer, on se veut citer l'influence des films. Ok, c'est cool, mais déjà ça, c'est partie qui ne plaît pas. Au-delà de ça, je fais rapidement la tube, et pareil. Mais à terme, elle me plaira pas mais j'en parlerai plus tard et en fait tout ça mélangé en plus ça va être saupoudré d'un truc qui est super criard dans la, la lande. c'est cette espèce de film un apothéose du cinéma, c'est à dire que c'est le mec qui veut mettre toutes les références au cinéma qu'il a aimé tout, 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 tout. Euh, des grands classiques hollywoodiens, des comédies musicales euh, tout et c'est, je trouve ça éprouvant en fait je trouve ça éprouvant parce que tu es tout le temps en train de chercher, chercher, chercher et à référencer et en plus ça m'a amené à une question supplémentaire, moi, c'est. Ce mec-là, quand il fait le film, il a 35 ans, je sais pas. Ouais, à après, ouais. Tu... Et il essaye de faire un pinacle du cinéma. Tu sais, j'avais l'impression de retrouver Spielberg dans West Side Story, sauf que lui, il a 70 pieds. C'est les... un, vrai, un vrai souci avec lui. Je pense que ça, bah, on reparlera de Babylone, mais c'est un vrai problème. ça. Je pense, bah, je pense un... que ça va aller crescendo dans sa carrière. Ouais. Tu vois. Et donc ça, c'est pour moi l'un en fait, des gros problèmes majeurs <coughs> du film. C'est qu'en plus, le film il se fait un peu méta. Il y a plein de moments en fait, où tu toute l'impression que le film il part de lui-même. Je pense à une scène particulièrement en fait, où il y a et doudou Gosling qui parle et en fait il parle du fait que lui est trop conservateur. Tu vois c'est qui oui, veut extrême, dans ces délire. Voilà, tu vois c'est en mode, tu veux faire machin ce que tu veux Nina mais tu es trop conservateur, tu veux trop être puriste machin et tout, Nina, ça est redit après par John Legend en gros, la musique maintenant, c'est les jeunes qui c'est qui va dans les salles et c'est pareil, je veux dire tu as un film qui est censé être euh, genre Lala, euh, genre tu prends ton cerveau, tu gardes une histoire d'amour, tu fais tes références machin et tout et tu viens te prendre la tête là-dessus parce que le film je crois en plus qu'il fait ça avec euh, Zéro, zéro délicatesse donc encore je trouve un petit parpaing dans la gueule et après ce que je vais écouter le truc qui me gêne un peu mais ça c'est propre parce que j'avais déjà vu dans Whiplash c'est sa sa vision euh, sa vision qui met toujours dans la fin de ses accomplissements, ces films sont toujours liés à un accomplissement, son artistique un, pareil, une transposition que je peux comprendre absolument et la fin de La La Land elle est voilà, c'est c'est une fin quand même qui se veut un peu triste parce qu'en en fait, on aurait tous enfin moi la fin que je voulais, c'est la fin en fin la fin remontée, tu vois. Je voulais pas à la fin où ils se séparent où c'est triste, c'est pas pour fait chier ils étaient beaux tous les deux, tu vois. Et il y a ce côté tout le temps en fait où tu dois souffrir pour avoir mm -hmm. ce que tu veux. Whiplash est extrême. Moi, j'aime beaucoup Whiplash en J'aime beaucoup le film, bah, réellement. En plus, euh, l'univers là, qui parle, la musique, la percussion, la batterie de jazz, j'aime beaucoup. Je déteste absolument la fin de Whiplash, Je veux dire, une espèce euh, d'harmonie qu'il a avec J.K. Simon à un moment ou l'autre, c'est un fils, c'est un c'est un fils de pute <laughs> fils qui, qui lui met la pression. Pire. Et, voilà. Ouais, je, d'abord, je contrôle loupé. Désolé. t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Absolument. la poitrine. Oh là 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 Mais là là. 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 L'intention est c'est ça. Et je disais, cette fin ignoble où en fait, où ils vont juste se retrouver et être en ospose dans la douleur et dans le fait qu'ils soient fait arnaquer. Et il fallait que je te fasse souffrir pour que tu surpasses. Ouais, ouais. Je dis pas que c'est faux. Hein. Il, y a, il y a plein, je pense, il y a plein de gens qui diraient que c'est vrai. Et je pourrais ouais, jamais. Moi, c'est un truc que j'ai vu dans la restauration, par exemple, dans la cuisine, tu vois, genre euh, l'abnégation et aller tout le temps de se prendre vrai, la gueule pour avancer. C'est l'immense bêtise. Oui, oui, bien sûr. C'est la connerie. Mais Mar je pense que je... ça, c'est un problème. Euh que lui là mais j'en viendrai après mais ouais. bah, moi ça me bute en fait alors je suis pas non plus dans le positivisme excessif ah. tu vois tu sais je... voilà je ouais. Mais quand même ouais. tu vois euh, je veux dire là ça toujours cette vision en plus je trouve ça un peu je trouve que ça te braine un peu parce qu'il va souvent te faire monter en fait des espèces de sentiments de joie tu vois tu sais d'accomplissement de joie de bonheur et il sait très bien les montrer hein, dans la la Land, dans l'occurrence euh, euh, la partie du début de la relation je crois que c'est l'été un hein... En vrai, elle est cool. J'aime bien ce montage euh, un peu clip quelque part, tu vois. Et ça rend cohérent les moments de comédie musicale où il se pète à danser parce que bah, t'es jeune, t'es amoureuse, t'as peur de lune de miel, tu kiffes. T'as raison, tu vois. Mmh. Donc il sait faire ça. Et t'as l'impression que cahier des charges en mode, euh, je suis un cinéaste, je vais Sûrement, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il en ait chié tant que ça pour en arriver là où il en est, mais je le connais pas. On n'est pas amis encore. Mais voilà, j'ai du mal. Avec un jour, ce... mmh. voilà, ça un jour. il a il a mis, sa, il a mis le, son pied dans ta porte. Là. Il t'attend. Il t'attend. Il, il, il veut ça. Il est là. Il là. Là. <laughs> vient, Karim. On va regarder First Man. Viens, on y va. Donc ouais, donc en fait, ça se voilà. Tout ça additionné, qui fait que la langue, c'est c'est pas c'est pas un mauvais film. mais je suis convaincu que ce soit shitlistable, je pense qu'il est devenu shitlistable dans ma tête parce que ce le a fait de la, la langue d'objet qu'il n'est pas encore une fois, tu vois. Mais c'est, euh... en fait, dernier truc, si je comprends pas, les gens ils me parlent de me dire que ce film c'est une tranche de bonne de bien, de machin, ce que tu as. Non, absolument pas. pas. Non, absolument pas. Non, non. 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 Mais c'est jamais son non, non. intention. Hein. Voilà, c'est que en plus tu c'est ce que les, le. Ben après, désolé, les gens qui aiment la langue, c'est super, mais me le vendez pas comme genre, me le vendez pas comme Mamamia, tu vois, ça Je veux dire, au moins c'est franc dans son délire, tu vois, c'est c'est con, c'est marrant, c'est à bas, c'est very Strip, c'est ce que tu veux. Il y a un message, il est un peu, il est un peu fucké, mais ça va, tu vois. Là non, là tu me vends un truc que tu comprends pas en fait. Et il n'y a rien de... Non, non, on y reviendra. C'est, oui, il... après, c est, c est... après justement, je trouve l'outil intéressant parce que sous la sous la couverture de bonbons en fait. Ah t'as un truc vraiment acide oui, tu vois t'as un twist ouais. ça oui. ça c'est je trouve même en écriture c'est pas mal tu vois mais l'addition du monde extérieur et tout ça ah, ça ça fait en sorte que la langue pour moi c'est pas une expérience agréable voilà mm. Après, tu, tu, tu fais bien de parler de ce discours où tu sais, Damien Chazel, c'est dans tous ses films, même dans First Man finalement, c'est le, oui. sacrifice, le sacrifice par rapport pour, pour la performance ou euh, l'incroyable en fait, de, de, de surpasser ses, euh, ses capacités. En fait, c'est un truc qui le, qui le hante parce que c'est un truc qu'il a vécu. Euh, notamment bah, okay. en fait lui à la base il, devait, il voulait devenir musicien et notamment batteur de jazz en fait d'où en fait d'où le pro son deuxième film uh, Whiplash qui est en fait un, un espèce de bah, des de, 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 de tout ce qu'il a vécu en fait hein, concrètement hein. c'était d'abord un court métrage et en plus ça a été euh, financé par euh, Jason Blum et ça est devenu le film qu'on connaît avec mm. euh, Miles Taylor et Jackie Simon euh, voilà en fait c'est ça en fait lui il est il est, il est il est un peu hanté par ça et ça traverse tous ses films en fait parce que B Babylon Enfin, je l'ai pas vu, mais je devine que c'est ça en fait. C'est le sacrifice de, de personnes pour le cinéma, pour l'art du cinéma, tu vois. Et, euh, et c'est un truc mmh. qui, le, qui le poursuit, quoi très clairement. Mais mmh. c'est voilà. Après, c'est un discours, c'est un discours franchement très, ouais, très, très... Enfin, moi, très, je trouve ça pas. Je suis pas d'accord avec ce genre de discours là. T'es pas obligé de te sacrifier comme un con pour, pour réussir. Il te dit pas chose. que tu dois le faire, mais bon, mmh, c'est ouais. voilà. Souvent, il y a des personnes qui prennent ce discours au premier, on y reviendra, mais c'est un constat qui fait désenchanté et je pense qu'il soit il est vénère soit il est pas bien tu vois mais euh, il y a quelque chose mais, mais, mais par contre tu te Alors, dis jamais que je te, te dis, le faire ah, moi je te dis sure. que par exemple des gens mmh. qui ont moi j'ai connais des plein de gens qui ont pris Whiplash au premier degré bah, c'est normal c'est des pas imbéciles enfin, voilà mais il y, je... y en a beaucoup il ouais. y en a beaucoup il y en a beaucoup il y, y en a beaucoup qui disent que ouais bah tu vois pour réussir un truc énorme il faut euh, voilà il faut se il faut se tuer quoi enfin limite euh, vraiment se péter quoi pas possible euh, c'est un film qui monte de gros connards enfin oui non mais c'est clair les deux tortilles parce que on voit Weplash par exemple le personnage de il est un blairable. il est mais un devient blairable. un blairable. mais non il est, un il est déjà non non, un il est déjà un il est un blairable. et d'ailleurs de bah, toute façon on... mais là je vais pas tout lâcher maintenant mais oui oui. oui, oui on en verra <laughs> si tu veux et il y avait un truc aussi d'ailleurs Miles Taylor devait jouer euh, d'ailleurs. Dans... il devait être à la place de Ryan Gosling et à la place de Emma Stone c'était euh, normalement Emma Watson. Emma Watson. Emma Watson. elle s'est barrée pour le bel à la bête euh, elle a dû faire. <laughs> age, son, agent, son, agent, son agent a dû se faire, a dû se faire flinguer. Mmh. Et euh, Miles Taylor, en fait, il a été écarté du projet assez rapidement parce qu'en fait, il devait, lui, il voulait apprendre le piano, il voulait, euh, avant de, bah, pour bien, se mettre dans le, dans le rôle, et euh, il voulait 4 millions de dollars. Mmh. <laughs> Ce qui sur un budget de 30 millions, c'est... Apprendre voilà. le piano et 4 millions de dollars. <laughs> voilà, non <laughs> mais c'est ouf. Et euh, dans, du coup, en fait, ils ont préféré prendre Ryan Gosling qui savait déjà jouer du piano et qui demandait beaucoup moins. Non, qui a appris à jouer du piano. Ah, tu penses Ouais, ouais, il avait... sûr. Ah, oui, OK d'accord. Il, il, il a dû beaucoup. C'est hein, du mimétisme hein, parce que il joue ce qu'on il oui. a uniquement appris par cœur ce qu'on lui a demandé de jouer, c'est du mimétisme mais par contre, il le fait de manière extrêmement convaincante pour un mec qui, a... qui était un obode no du piano quelques, quelques mois avant, oui. C'est clair. On va passer mm. maintenant à Manu, Manu qui sont qu'on avait pensé de La Lande Je crois que toi tu avais plutôt vraiment apprécié le film. Ouais, j'ai vraiment adoré au ciné et euh... J'ai d'ailleurs été commandité par plusieurs personnes pour dire que t'étais une grosse merde et que t'étais pas en accord avec tes <laughs> émotions, probablement, et que c'est pour ça que t'avais pas le thème. Ok. <laughs> ouais, T'as été commandité Directement commandité, brutal, Commandité Alors oh. attends... C'est un, les... un attentat C'est le... oh, un qui attentat C'est qui les commanditaires parce que en jaune, mais vous le voyez pas parce qu'il est flou. Ah, d'accord. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé ces mères. mais figurez-vous que je l'avais pas revu parce que je savais que je passerai les 5-10 dernières minutes à chialer ma mère. Qu'est-ce qui s'est un peu passé hier soir? <rire> <rire> Mais après, je Mais comprends. Il euh, y, y a un truc. nous que... appeler dans ces cas-là, Il y a un fil, il y a un fil, ouais. Mais ouais, c'est un film que j'aime beaucoup, euh, plus que euh, Plash, parce que, en effet, tu mettais le doigt sur un truc, Luc. Le... Moi, ce que je considère presque comme une espèce de romant romantisation de l'idée de, de, de la souffrance et de l'abnégation pour réussir. Euh, même si ce n'est pas forcément le message euh, voulu, je, je trouve qu'en effet, ça, ça, cet effet-là sur le public. Mais, euh, mais là, la langue euh, s'il faut, faut que je lui donne un défaut, je vais le dire tout de suite. C'est en effet peut-être ce, ce côté qu'on qu lui reproche d'aller trop chercher du côté des arts, euh, des arts euh, mis en valeur lors des Oscars, par exemple. Mmh. C'est-à-dire euh, aller parler de cinéma ou de musique. Ah oui, c'est le meilleur truc. <laughs> en, en même temps, euh, c'est pour parler de deux carrières artistiques euh, profondément ancrées dans une dans une vision du métier, euh, particulièrement dans le cas de Sébastien en l'occurrence, et, euh, et des compromis que les deux vont faire euh, sur le chemin et, euh, et les, les sacrifices qu'ils vont faire, euh, je trouve que c'est assez logique de prendre ces deux, de, enfin, de deux milieux-là. Et en plus, euh, je pense qu'il y a aussi un amour de Los Angeles qui est placé là-dedans, parce que la ville est vachement mise en valeur à travers, ces, à travers ces sept pistes, les, les lieux cultes du cinéma. Et euh, à côté de ça, euh, bah, déjà Ryan Gosling et Maston, c'est deux acteurs que j'adore et euh, qui sont euh, au cœur de euh, Crazy Stupid Love, qui est un peu ma rom-com préférée. Euh, ah ouais, incroyable, ouais. c'est un incroyable, de, un incroyable le film, celui-ci. Et je trouve que les deux ont une alchimie parfaite et ils sont surtout euh, plutôt bons au chant, et, au chant et à la danse. Hein. Moi, c'est là que je suis assez impressionné par Chazelle, c'est que techniquement, le film il est assez millimétré. Alors, Alors euh, qu'il leur a demandé de ne pas... Ouais, de pas, pas trop bosser, ouais. C'est mmh. pas parfait. Bah, on le voit quand... Euh, non, mais c'est... C'est aussi, aussi fait pour pas être parfait, ouais. City of Stars. Comme, non, de... comme Matrix 4, un peu, quoi. <rire> non, <rire> je... Exactement. Enfin, le, le hijacking. Mais euh, admettons, si tu veux. Ouais. <laughs> mais euh, ouais, je trouve que techniquement, il y a des espèces de plans-séquences de fou, Enfin, euh, quand tu... Forcément, il y a le côté musical qui joue et du coup, toutes les, toutes les chansons sont un peu mises en clip. Euh, tu as des trucs, la, la soirée, où as des, enfin, déjà il y a la scène d'intro, mais je ne trouve pas que c'est la plus exceptionnelle. Je suis un peu comme Karim, mmh. sauf que plus loin, il y en a qui sont techniquement plus intéressantes. Euh, à deux, il y a celle du, euh, du Planétarium, mmh. enfin le télescope que je trouve assez magnifique, mais euh, mais ouais la scène de où ils vont à la fête au début où il y a la, la caméra qui plonge dans la piscine, qui ressort, qui filme depuis dans la piscine, ou le bar quand ça passe de Emma Stone à Ryan Gosling, alors c'est assez rapide, mais je me souviens que le making of à l'époque tu vois comment ils sont millimétrés dans le dans la gestion de la caméra et tout, euh, non ils fonctionnent bien et c'est aussi je pense avec ce film que j'ai découvert Justin Hurwitz que je trouve assez incroyable, moi j'adore la BO. Euh, D'ailleurs, Karim, tu, euh, Marvin, tu disais euh, pendant, pendant la bonne annonce que c'était pas la chanson la plus. Tu euh, plus... disais que je comprenais pas pourquoi les gens avaient le, la musique en tête pendant 10 ans parce qu'en fait, elle me, ma... je, je m'en rappelle déjà pas. Je... Ah ouais, ben bah, moi, tu vois, j'avais vu le film qu'une fois hier, en le relançant, j'avais la musique en tête dès le, dès le début avant qu'elle commence. Ouais. Pareil, je sais ouais. pas, moi, je trouve qu'elle fonctionne sur moi. Après, bah, je l'ai réécouté. Hein. Je, je vous avoue, elle est sur Spotify a elle traîne quelques fois. Mais euh, non, j'aurais du mal à critiquer le film parce que je trouve. Euh, alors, il me met en PLS à la fin parce que euh, l'idée du sacrifice euh, de la relation pour aller euh, suivre euh, c est, c est, c est, enfin, son espoir de carrière à côté, c'est pas forcément la vision à laquelle j'adhère. Mais euh, mais il fait les choses bien. Euh, les, les acteurs sont impeccables et là, euh, j'ai pas, j'ai rien de mauvais à dire dessus. J'aurais peut-être eu plus de choses à dire sur First Man à la rigueur, mais que j'aime beaucoup euh, par ailleurs. Mais j'attends de voir Babylon parce que en l'occurrence là, les... ce que j'en ai vu et les critiques euh, me font dire que peut-être, euh, peut-être il a un petit peu perdu de sa superbe. <laughs> en tout cas, Force Man ne sera jamais dans la cheatlist parce que c'est un très bon film. <laughs> Donc euh, voilà, euh, c'est son, son sommet, ouais carrément, ouais, on, pourrait, on pourrait dire ça, euh, clairement. Et Marvin, pour finir sur La La Land, mérite-t-il la cheatlist ou non Finalement, ah, je sais pas, je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui mérite probablement la cheatlist c'est l'état de santé mentale de Damien Chazelle quoi et c'est vraiment ça je, je m'inquiète beaucoup pour lui non mais réellement tu vois je veux dire, euh, sans que ce soit une critique euh, mais mais vraiment tu vois au vu de, de, de l'entièreté de sa carrière et après avoir vu Babylone en plus je suis vraiment en train de m'inquiéter pour sa santé mentale je me demande comment il va ce pauvre garçon quoi euh, parce que tu vois si tu fais un bilan tu dis oui oui plash euh, oui euh, c'est le film d'un type qui a eu un apprentissage musical assez poussé qui comptait en faire une carrière et, euh, et, et voilà ouais. ce qu'il en retire euh, un peu plus loin as, tu vois on dit je vais, prendre, euh, je vais prendre le biopic d'une grande figure américaine, et je vais parler d'un sujet qui me passionne, la, la conquête spatiale. Euh, finalement, il leur tire une histoire de paternité euh, perdue qui est totalement déchiante et puis là, récemment, on a eu Babylone qui est, euh, en fait, son espèce de regard avec un peu de recul sur le cinéma et qui te présente comme le pire truc du monde. Donc... Euh, euh, tu vois, et entre-temps, t'as La La Lande Land et sa manière de considérer euh, l'utopie hollywoodienne et l'amour, <laughs> et la manière de le regarder, je, je, je pense que tout ça est un petit peu désillusionné, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je me demande comment il va. Euh, je me dis que ouais, soit il est vénère, soit il va pas bien. Je pense euh, qu'il va, va pas tarder à débarquer en France faire du, de, du effectivement, social. On du social, disait, disait qu'il y a des gens qui, qui te vendent La La tout à l'heure, ce que disait Karim, comme un espèce de feel-good-movie. Non. mais ça a été marketé comme ça. Hein. Absol absolument pas. Oui, oui, non, mais oui, d'accord. Bon, après, le film fait illusion une heure, quoi. On va dire là-dessus, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais, 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 mais c'est absolument pas ça. Alors moi, moi, c'est un film que j'aime bien hein, de, de manière globale euh, parce que justement, j'ai l'impression qu'il fait un truc qu'il a perdu. Hein, parce que alors, je vais beaucoup te parler de Babylone parce que parce que j'ai l'impression que les deux films se répondent. Ils traitent un peu des mêmes sujets en fait, hein, juste qu'ils le regardent différemment. C'est qu'à ce moment-là, il arrivait à en termes de mise en scène et même à la rigueur de narration, à faire des choses simples, mais à les faire bien. C'est-à-dire que il y a rien de très subtil dans le cinéma de Damien Chazelle, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est toujours au service de ce qu'il veut raconter. Tu vois, si tu regardes un petit peu les, les espèces de tropes de mise en scène de La, la Lande. Bon, C'est des trucs qui, en termes de symbolisme, euh, sont assez faciles à comprendre. Tu vois, tu l'espèce de monde des Mastones qui est méga coloré, euh, chatoyant, et puis en face, tu l'appartement de, de Ryan Gosling qui est, qui, est, qui est beaucoup plus froid. Tu vois, tu ce genre de choses. t'as as, as les scènes d'introspection, tu te braques les projecteurs sur les gens. Euh, voilà, euh, ils sont là, ils sont seuls avec nous. Bon, oui, d'accord. C'est des choses qui sont pas subtiles, c'est des choses qui sont simples et c'est des choses qui sont bien faites parce ah, qu'au final, le. Le, le, le propos, il est, il est assez, euh, assez évident. Alors, oui, tu as, as cette fameuse histoire d'amour. Et, et surtout, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, son discours de whiplash, par rapport au jazz, notamment, par rapport à la recherche de l'excellence. Parce que c'est pas simplement dans la musique, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai complexe par rapport à ce qu'on appelle les musiques savantes. C'est-à-dire, mmh. en gros, le jazz et le classique. Et leur décalage par rapport à la musique dite populaire, du... en gros tout le reste. L'espèce de mépris que tu as d'un côté euh, vers l'autre. Et, et, et du coup, pour le coup, le personnage. Alors, comment il s'appelle dans le film Ryan Gosling Sébastien. Euh, Sébastien. Sébastien. C'est vraiment le, le prolongement, à mon sens, de presque de, 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 de Miles Taylor. Tu vois Alors, Perçu d'une manière différente, mais c'est un peu ça. J'ai l'impression que ça éclaire un peu son point de vue par rapport au conservatisme, ou vraiment, pour le coup. On a ce musicien de jazz qui est imbuvable. Hein. Alors pour en avoir côtoyé quelques-uns dans ma vie de très près, sachez que la caricature euh, n'en est pas une. Hein. Ces gens-là pensent vraiment comme ça. Donc, euh, donc voilà, tu vois. il y, y a ce vrai truc là qui éclaire, à mon sens, un petit peu le propos de Whiplash, vois, et qui Peut-être a tendance à l'atténuer aussi par rapport à la recherche de cette fameuse recherche de l'excellence qu'on pouvait considérer comme complaisante. Quoi. Mais, euh, mais voilà, donc je trouve que le film est assez clair sur ce qu'il raconte, sur, sur quelle histoire d'amour, mais aussi la, la lutte entre le conservatisme, une espèce de de progressistes, de modernisme donc euh, ça va, quoi. Et il y a des trucs qui sont super efficaces dans Babylone. Euh, dans, dans, tu vois, euh, la lande. Dans, dans, dans La La lande qui font justement des fois Babylone, et ceux ce qui ont vu Babylone comprendront, c'est qu'en plus, dans le montage, il est hyper efficace. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une obsession qu'il a récupérée ensuite, qui est une espèce d'obsession du plan-séquence euh, qu'il y a dans Babylone, par exemple, tu vois. Où tu as des plans-séquences très très longs, de 20-25 minutes, ah euh, bon sans découpe, sans découpe, et qui, du coup, cassent un peu le rythme, euh, n'arrivent pas vraiment à montrer la folie du truc, quoi. Bah, hein Par à La Lande, c'est une heure de plus. Oui, ouais, ouais, euh, c'est trois heures. C'est hein, trois heures, hein. heures. Par contre, alors, du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que le film euh, la, la Land, c'est pas. Moi, je le considère pas comme une comédie musicale. C'est le Ready Player One des, des, des <laughs> musicales de l'âge d'or, quoi. Non, mais vraiment. Tu vois, c'est parce qu'en fait, il fait que citer des trucs, en fait, en permanence. Hein. C'est vraiment le, le film qui, ouvertement, te dit que oui, regarde, je cite Gene Kelly, je cite Fred Astaire, je refais des cadres de chansons sous la pluie, et puis il va citer Jacques demi tu vois. Ouais, bah, vraiment, pour sûr, le coup, bah... il est dans le. Oui. On est dans le ready-player one absolu de, de la comédie du musicale, De l'âge d'or du musical. Et puis, en fait, c'est pas très grave. tu vois ça, ça, me, ça me dérange pas tant que ça. Euh, je trouve que c'est assez bien fait. Voilà. Je trouve que c'est plutôt bien exécuté. Je trouve que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de symbolisme dans la mise en scène. C'est pas hyper subtil. Mais ça marche assez bien. Moi, ce qui me fait rigoler un petit peu, c'est le, le débat que j'ai eu régulièrement par rapport à l'interprétation de la fin. C'est quand même un truc qui clivent un petit peu, c'est-à-dire que les gens, euh, sont... j'en ai parlé avec pas mal de gens en fait, du coup euh, assez récemment, euh, c'est-à-dire qu'il y, y en a qui ont vécu ça comme un truc euh, relativement, euh, relativement, doux amer dans le sens où tu vois même si l'amour est mort les souvenirs restent et puis tu vois il y a quelque chose comme ça de, il y a un petit espoir dans la tempête tu vois, et il y a des gens à qui j'en ai parlé qui m'ont dit euh, le time lapse final c'est absolument infernal quoi tu vois genre euh... Et moi, je le vis plutôt comme, comme un truc assez infernal. Là, dans le sens où tu as ce fameux time lapse qui te fusille quand même et qui te montre euh, en je sais pas, ça, je sais pas combien de temps ça dure, mais tout, toutes ces années ou toutes ces choses que tu vivras jamais. Euh, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, s'il y a moyen que euh, si le regret ah. ultime. Ouais, non mais c'est si... sûr. j'en ai parlé avec avec un pote il y a quelques jours. Il m'a dit euh, moi je, quand j'ai vu le film, je me suis dit euh, les enfants euh, que j'aurais jamais tout ça. Tu sais, c'est genre. Euh, <laughs> ouais. C'est vraiment, te... vraiment les si regrets quoi. C'est vraiment les regrets. Le le tu te suicides après. Ce si es... Euh, mais si t'es es en, en période honnêtement de désillusion ou traumatisme amoureux, ce truc te finit quoi. Clairement. Ce truc te termine. Non mais réellement. Tu vois c'est pas voilà je j'ai pas pas senti moi de, de feel good ou quoi que ce soit vraiment tu vois pour moi c'était terriblement noir quoi il y a, a ce twist de la deuxième heure euh, ouais ou cette espèce de truc d'utopie hollywoodienne et bascule totalement quoi donc, euh, donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien écrit euh, relativement bien filmé efficace voilà Chazelle a souvent été efficace sauf euh, sauf sur son dernier film donc à ce moment là tout va bien voilà la, la land pour moi c'est euh, allez c'est pas pas first man qui, je pense c'est son sommet mais c'est pas très très loin derrière donc euh, voilà Ok, ok. Alors, je vais. Euh, c'est vrai que je t'ai un, un peu dit euh, si oui ou non euh, le film mérite la shitlist. Euh, on va poser la question clairement et je vais me demander à Karim ce film mérite-t-il la shitlist Non, quand même pas. Non, quand faut même. Pas déconner, ouais, faut pas déconner. Je C'est pas, pas mauvais. Je veux dire. C'est bien d'en parler en fait. <laughs> c'est bien que maintenant qu'on fasse des émissions plus courtes parce qu'on va choisir un film comme ça, on va pouvoir en parler. C'est bien d'en parler, mais c'est pas shitlistable. C'est pas shitlistable, pardon. Euh, Manu, de ton côté, est-ce que c'est shitlistable Absolument pas. Et c'est toi qui l'es pour avoir proposé. <rire> <rire> Et Marvin, style Non, ça. non, ça ne l'est pas évidemment. Ça ne l'est pas évidemment. Donc en fait, vraiment, le, 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 le moi si je l'avais mis dans la checklist, en fait, c'est que ça m'avait. Euh, non mais j'aime. On peut faire les coulisses. On était en train film. de chercher un, un film qui, qui colle avec la Saint-Valentin. On savait pas. Et voilà. Je voilà. Dis, la, la Land, Bait, ça marche. Voilà, la, la, la Land, cool. Damien Chazelle avec Babylone, On s'est dit bon, pourquoi pas revenir un peu là-dessus. De toute façon, ça, ça va voilà. permettre aussi du courrier de Durandos de revenir un peu plus sur, sur Babylone, avec ce que, que j'ai glané aussi comme, euh, comme avis. Mais euh, moi, con, concrètement, en fait, c'est. Le film était plutôt ok, mais je trouve que c'est pas le meilleur de Damien Chazelle et surtout en fait c'est tout le la hype. En fait, je, je, bah, quand un film en fait des caisses euh, aux alentours, au en fait, autour moi, du film quand il y a des caisses, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. J'ai eu une chance, j'ai une chance, assez terrible, c'est que je suis passé totalement au travers de la hype, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai même pas vu en salle ou quoi, tu vois. Je veux dire, euh, moi, je juste lever un sourcil quand je me suis dit ah. Le film qui devait gagner l'Oscar, il l'a pas eu. pas bien voilà. euh, ouais. où Moonlight avait gagné, euh, d'ailleurs de oui. manière un peu hontée, euh, parce que Moonlight quand même merde quoi. Mais voilà. Et, et, euh, et non non, j'étais passé totalement au travers. Je l'avais vu chez moi longtemps après. et En fait, euh, voilà, je, je, je trouve ça cool. J j pas du tout fait bouffer par la hype, donc euh, ça va quoi. Donc vous avez compris, la, la Lande ne mérite pas la cheatlist. Euh, voilà, donc pour tous les Damien Chazelzous, vous êtes sauvés, vous êtes heureux. Et je pense que vous êtes... Voilà, vous vous dites que vous, vous n'êtes pas une émission de connards. Finalement, on est une émission avec, avec du cœur. On va pouvoir passer en ce au moment, courrier euh, de Durandos en ce moment, on est vraiment cool. On ramollit hein. Ouais, on se ramollit euh, De toute façon, je pense que le film de la semaine prochaine, je pense pas que non plus ce soit de la haine. Enfin, je vais voir, ça fait très longtemps que je l'avais vu, donc euh, peut-être que peut je vais le démonter. Euh, Southland Tales. Ah oui. Ouais, donc on va voir, on verra ça. De toute façon, on dans un invité, on en parlera à la fin de l'émission. Alors, courrier c'est votre moment pour euh, exprimer votre avis. Donc, euh, le chat, si vous voulez, vous pouvez exprimer votre avis sur Damien Chazelle. Je trouverai les meilleurs punchlines et aussi sur La La, -La Land, euh, si vous avez des choses à rajouter sur le film. Effectivement, j'avais vu dans le chat et je l'avais noté effectivement qu'il y a une euh, adaptation en. Comédie musicale à Broadway qui est en cours de préparation pour euh, La La Land euh, avec toujours Justin euh, Erwitz euh, à la musique et, euh, et le producteur de base euh, du film qui seront derrière le, derrière le musical. Euh, moi j'avais glané, alors j'avais glané pour euh, par exemple, pourquoi par exemple j'avais un auditeur qui s'appelle Samuel Blachon, salut Samuel, qui disait qu'il a détesté le film car à l'avant-première sur les champs élysées Damien Chazelle lui a mis un vent. <laughs> du coup t'allais dire Damien Chazelle il lui a mis un pain c'est <laughs> encore pas, plus ouais, drôle je suis pas la bagarre là. <laughs> Donc, apparemment Damien Chazelle il devient pas ami avec les gens non mais ouais, non. pourtant avec toi Karim il peut devenir ami il on il a là. compris il est là il, il, est, il est là il est dans le chat tout... il est là il est arrosé viens <laughs> viens à la maison Damien viens non mais il est dans le chat euh, l'auditeur ah oui, bah, il est là. Mais c'est lui C'est lui euh... bah C'est lui C'est lui, lui, lui. Lui, lui Papa papa qui est là aussi sur Twitter qui dit, bien plus intéressant et nuancé que ce que les détracteurs en disent, sur le rapport entre la tradition et la modernité d'un art sur la tension entre conservatisme et ouverture, mais aussi un peu coincé dans ses références. Bon film, mais au fond un Chazel mineur. Et comme tous les films de Chazel, tout le monde parle de déclaration d'amour, alors qu'on nous montre un mec qui finit seul et triste parce qu'il s'obstine <laughs> dans sa pureté, bon. son non, art, mais... qui n'intéresse personne d'autre que lui. Ah, c'est un vrai truc, c'est la même chose, c'est putain c'est ce qu'on a entendu sur Babylone, tout le monde pense à des déclarations d'amour alors que c'est toujours les Mais manières tu sais, les pires alors, de présenter un sujet. Je tu sais pourquoi il y en a qui ont, enfin les gens sont non, ouais. cons, les gens sont cons parce que en oui. fait Babylone, je sais pourquoi les gens ont tapé, ah, c'est vraiment une lettre d'amour au cinéma parce que la fin, le montage final c'est, fin, littéralement ça en fait et, et c'est con. C'est bête en fait, Et non, les gens l'ont pris comme on ça. On te en fait. présente, non mais indépendamment du fait que le film soit qualitatif ou pas, ça un autre débat mais on te présente vraiment ça comme quelque chose d'infernal quoi. Tu vois, t'as pas du tout envie quoi. C'est dans faire le titre. Tu vois le film quoi. Non, mais ouais, complètement, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Genre on me dit, oui les changements du cinéma en fait ça, 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 ça écrase, ça broie des carrières quoi. C'est ouais. ce que le film te raconte, tu vois. Le mec, déclaration d'un au cinéma. Bah, franchement, pff, ouais, moyen quoi. Euh, ouais. euh, peut-être petit... un, un petit doigt pour l'industrie hollywoodienne plutôt, quoi. Tu vois, ouais, je sais ça. pas. En tout cas, moi, s'il si faut vous terminer là-dessus, c'est juste que je me suis demandé, euh, ce que disait tout à l'heure par rapport à ce que Karim disait tout à l'heure. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir c'est que ce mec-là, il fait des films qui me paraissent arriver très tôt dans sa carrière. Trop tôt. Ah, peut-être, ouais. Tu vois mmh. Genre, il, il a quatre films, il fait Babylone, qui est déjà un regard avec du recul sur l'industrie dans laquelle il travaille. Tu vois c'est comme, euh, comme euh, Spielberg fait Fableman aujourd'hui à son âge, tu vois. ce que je veux dire Je trouve ça étrange que sitôt, après seulement quatre films et à son âge, il en soit déjà à ce constat, quoi. Je dis vraiment, ça va pas, quoi. Euh, tu vois, si vraiment, là, t'es déjà là en train, de, en train de faire un bilan sur l'industrie et sur ce que ta carrière euh, t'a apporté. Pff, ça, ça arrive vachement ouais, vite, mais quoi. Sam B. dit un truc, il rajoute ce que Damien Chazelle dit en interview, que euh, Babylone était une lettre d'amour pour le cinéma et un brûlot contre l'industrie d'Hollywood. Donc, ce qui, ce qui ouais, notamment bah... le, le montre un petit peu, ouais. peut-être aussi. Oui, bah, peut-être, peut-être. Écoute, moi, j'ai rien ressenti d'extrêmement de, positif. Hein. Je sais pas. Euh, Toofpick nous dit la vérité c'est que j'ai rarement vu une histoire d'amour de couple aussi crédible au cinéma et c'est ce qui me restera toujours, Cast au top, Chazelle Kurzel toujours intouchable, il y a quelques longueurs et certaines scènes fonctionnent moins, mais la fin est extraordinaire. Euh, là on va un peu dans la hate, parce que Guillaume moulin casting nous dit euh, à fond shitlist il a tellement digéré ses influences qu'il croit toujours faire mieux que ses aînés, après quatre films, comme le vulgaire et grandiloquent, Babylone le prouve de manière évidente. Formaliste doué, c'est vrai, mais Chazelle oublie l'essentiel, ah, l'émotion. Hein. Et donc la poésie du reste, ce qui fige à jamais son cinéma, et il serait se vraiment culte, mais il manque de sincérité, et ça le... Pour perdra le coup, euh formalise doué pour le coup non je pense pas ça sort d'où de lui de dire qu'il se croit meilleur que ceux dont il s'inspire il l'a déclaré ou, ça, ou ah non 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 mais c'est lui qui a dû euh, c'est le Guillaume Moulin qui a dû dire qui a dû sentir ça dans Et ses le... films quoi c'est comme ça qu'il le prend mmh. quoi non alors que pourtant pour le coup il a une telle déférence envers ce qu'il cite en permanence que je pense pas qu'il se place au dessus quoi ouais non euh... vraiment pas tu vois on a Vivien qui nous donne un message, d'attention quand même parce qu'il nous dit attention à ce que vous dites. Tu peux pas valider un film de La bande à Fifi et descendre la Lande à moins d'une semaine d'intervalle. Ce serait honteux. Effectivement. Alors interdit. Alors effectivement. Est-ce que je peux faire une take Non. que allez, Patron, tu fais ce que tu veux. Mais vous savez, mercredi, il y a eu un film. un film qui est sorti la semaine dernière. Un film incroyable. Un film qui s'appelle Alibi.com 2 Ouais, je, vous jure, je vous jure, on l'a vu avec Romain, c'était incroyable, c'était vraiment ce qu'on a vécu de mieux dans la comédie française. Alors on vous dit ça parce qu'en fait, on a fait la deuxième séance. C'était une séance qu'on a fait après avoir vu Astérix et Obélix ensemble, dont on n'a pas rigolé du tout. Et quand on a vu Alibi.com 2 on s'est fait avoir. On s'est fait. Euh, et, et, eu, et, et Romain le, le dit dans le chat. Et pourtant, banger, banger. Effectivement, on était quatre non, 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 non. et quatre complètement pliés. On a non, vu. T'avais besoin de rire. On a vu le. Je voilà. On a vu le de la, la comédie. le contexte. Je pense vraiment que le contexte est important. Sans déconner, sans déconner, c'est le meilleur film de la show. Très clairement, c'est Oui, bien non, mais d'accord, mais ça veut pas dire que c'est bien pour autant. quoi. Et, ouais, il, il, euh... et il a appris un truc qui est assez incroyable chez Philippe Lachaud, c'est qu'il a appris le tempo comique. Et ça, ça fait plaisir, parce que du coup, maintenant, toutes les vannes sont plutôt réussies. Euh... Okay. D'accord. Bref, passons voilà. à autre chose. Là, voilà, voilà. Donc, euh, voilà, mais bon, je plaît, par... pas dire que comme 2 est mieux que la Lande, mais... Non, bah non, là, tu vas pas déconner. <laughs> bon. Mais voilà, c'est aussi une lettre d'amour au cinéma, peut-être. Ah bah j'imagine, j'imagine, j'ai une lettre d'amour, oui, au cinéma. C'est dur. On va passer aux lectures des commentaires qu'on a eu récemment sur le podcast et on a Léza MB qui est venue sur le Discord et qui est arrivée directement en arrivant en disant « Bonjour, au début j'aimais pas trop le podcast Shitlist sans vraiment les écouter. J'avais un blocage <laughs> quand j'ai vu Triangle of Sadness en pire film de 2022 et au final j'ai écouté l'épisode et j'ai trouvé ça cool. Et bah, bienvenue bienvenue dans la, dans la bande, j'ai envie de te dire Léza. Bienvenue dans la bande. » C'est quelque chose que peu de gens font. <laughs> donc, euh, bravo. bravo, bravo, tu as fait toi. tu as fait non, les vraiment, efforts. vraiment, tu parce as que d'habitude, les gens ils disent, hé, hey, ils ont l'air cons, et ils en restent là, et, tu vois. Donc, euh, c'est bien d'avoir été écouté. Le courage, le courage, le courage t'a récompensé, c'est très bien, c'est très bien, reste comme ça. Ouais. Et on a, alors moi, je, sur la page Sens Critique de Cheatlist, donc n'hésitez pas à mettre votre note et vos petits critiques du podcast sur Sens Critique, il y en a un qui a, qui a laissé euh, en titre, Vive Marvin, le meilleur podcast <laughs> cinéma, 10 sur C'est pas celle-là. 10 sur 10. Et, euh, et c'est pas, pas moi. Et oui, alors c'est écrit par Sebnatch 638. Moi je suspecte que c'est un robot. Hein. Moi je pense que c'est ah, un mais... robot. <laughs> moi je suspecte, donc peut-être que les robots t'aiment, Marvin, finalement. Je, je sais pas, ah, écoutez, la dernière fois j'en ai pris plein la gueule. C'est bon, j'ai quand même le droit d'avoir... De... <laughs> Ça va, quoi. <laughs> tu vois C'est on... bon je disais on avait euh, en intro là, du, du podcast euh, dans le live euh, alors vous pouvez retrouver sur Discord on a un lien en fait pour le tier list euh, shit list c'est à dire que vous pouvez classer tous les films qu'on a effectué dans la shit list euh, de bien bon euh, d'excellent ne mérite pas la shit list euh, c'est de la merde ou des trucs comme ça vous pouvez classer en fait les films vous pouvez vous amuser à les faire et le lien est directement bien. sur le Discord et c'est Champari un de nos auditeurs qui l'a fait et merci encore à Champari Champari t'es un champion parce que pour répertorier tous ces films il faut avoir du temps Beaucoup de temps, surtout voilà. vous mettez, faut mettre mais, les affiches. Faut se mettre les affiches quoi, c'est chiant, c'est franchement chiant. Il y en a nous, plus de temps. Nous, 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 on l'aurait jamais fait. Hein. Ah <laughs> oui, non, mais clairement. 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 Voilà. Non, bravo, mmh. bravo, franchement, bravo. bravo. Très très fort. Bien très très, voilà. très fort. <laughs> non, mais, non mais voilà c'est assez mmh. ouf euh, et euh, bon pour finir le courrier de l'endos est-ce que vous avez quelques recommandations culturelles euh, moi je vous ai fait alibi.com 2 mais j'imagine que vous avez peut-être d'autres choses à nous proposer Karim euh, <laughs> de ton côté qu'est-ce que tu nous as à proposer euh, alors déjà rapide terminer Elden Ring et de faire partie en jeu <laughs> plus voilà, c'était okay. la satisfaction personnelle. Non, et un bouquin que j'ai enfin lu, une pote, une ancienne collègue de travail m'avait prêté un bouquin en disant, lis ça, c'est vachement bien. Donc c'est un vieux bouquin qui s'appelle Gog, écrit par... Je, euh, je... me dire, la Torah. <laughs> euh, ah, je les Toujours. Comme, hein. Écrit <laughs> par euh, Giovanni Papini. Alors c'est un roman, euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais l'idée en fait c'est d'un narrateur qui va dans un asile psychiatrique et qui rencontre un mec euh, au détour d'un couloir qui est un patient qui s'appelle Gog, qui est un milliardaire excentrique. et qui qui invente plus ou moins raconte des histoires qui seraient possiblement vraies sur des gens connus de son époque sachant que la date d'écriture du bouquin c'est les années 1940-50. Euh, c'est de la mise à l'état pur, ça m'a rendu hilar. Euh, dans les moments où tu vas pas bien et que tu penses que tes pensées virent à droite ou dans des trucs chelous, lis ça et ça te rappelle qu'il y a pire que toi mais bon de manière cœur. bienveillante. Donc voilà, donc c'est euh, voilà, c'était ma recommandation Gog hein, de Giovanni Papini, c'est un truc pas énorme et ça m'a fait du bien. Gog alors donc. Merci Karim. Manu, de ton côté. Euh, bah, écoute, euh, la semaine dernière, je vous avais sorti un comics. Oui. Et ben, je vais te faire un autre comics. Ah putain, le mec enchaîne. Hein. Que... Ah, ah. en je... <laughs> c'est fou, Manu, <laughs> c'est fou <laughs> Tu le mettre sur ta tête en fait pour qu'on le voit. Et c'est du même auteur que la semaine dernière qui est James Stephen Force et The Department of Truth. Et euh... alors là, c'est une série régulière, c'est pas fini en deux tomes, il y en a trois qui sont sortis. Mais ça parle d'un de... mec qui se retrouve. Euh embrigadé dans un enfin dans, dans, dans une réunion bizarre où il se, qui, de platistes qui, qui pensent que la Terre est plate et qu'il y, <laughs> y a un mur au, au, au bout du monde et euh, qui se rend compte que c'est vrai et en fait, euh, tout le, toute l'idée de la série c'est que la réalité est fluctuante et dépend des croyances des gens et que, y a une guerre, y a, en gros il y a une guerre de désinformation pour, pour modifier la réalité en faisant croire à des complots et des choses comme ça et on suit euh, le département de la vérité du coup qui est le gouvernement qui s'occupe d'essayer de garder les choses à peu près bien du gouvernement américain face à une organisation qui essaye de manipuler la réalité. Incroyable. Et c'est quoi le nom C'est le département de truth Ok, ça marche. J'en ai entendu parler, ça avait l'air cool. Ça, c'est les trucs que tu as récupéré en golem, ça, Manu Non, ça, j'avais déjà commencé. J'avais chopé le tome 3 en golem, mais ça avait déjà commencé. Et Marvin de ton côté, euh, recommandation Je vais encore parler d'un jeu vidéo parce que je suis en train de terminer un test. Euh, en ah moment, putain, oui, oui, en oui. Large, du coup. je suis jaloux, Et je suis jaloux. Oui. Je, suis jaloux. Euh, je suis en je train jaloux. de terminer le test de Like a Dragon Ishin, donc, euh, qui Alors... est le... Alors Like a Dragon, c'est le nouveau nom en Occident de la saga Yakuza. Et donc euh, Like a Dragon Ishin c'est le remake d'un jeu qui est sorti il y a 10 en 2014, ans au Japon, ouais, euh, ouais. entre entre la PS3 et la PS4 ou ouais. en fait on a un espèce de yakuza alors basé euh, plus sur le modèle des épisodes précédents c'est-à-dire que pour le coup c'est un bitzémol hein. euh, très extrêmement arcade avec un monde ouvert et des tas d'activité secondaires sauf que cette fois-ci ça se passe pendant l'ère Edo donc ouais. on n'a pas un yakuza on incarne pas un, un Yakuza, mais un, un samouraï, donc voilà. Et pour ceux qui ont un peu les habitudes de la, de la saga, euh, vous allez voir que même s'il y a des personnages historiques, en fait, ils sont, euh, ils sont incarnés par les personnages habituels de la saga. C'est à dire que le personnage principal, il a la gueule de Kazuma, Kazuma Kiryu. Euh, ouais. <laughs> voilà. Vous allez avoir euh, voilà, des tas de personnages et même des Majima, personnages du coup, de, la, de, de Yakuza, like a dragon, qui ont été ah ouais intégrés dans ah le putain. casting. Ouais, voilà. Et ouais, il y a Goro Majima, il y, y, y a tous les, les gens habituels qui sont là et qui jouent des samouraïs, donc. Euh, donc voilà c'est euh, vachement cool c'est vachement cool c'est très bien pour les gens qui aiment la saga je pense qu'il faut vraiment l'aimer à la base hein, pour, euh, pour jeter là-dedans mais, mais c'est sympa en, en termes de gameplay en plus il y a des trucs qui changent il y a, y, a y a même des armes à feu euh, il euh... si, si, y, y a des armes à feu on peut taper au katana et sortir son colt euh, mais putain, pour finir les années voilà. ils ont leur, leur système de baston qui est le ils même depuis improve. 2005 c'est fou bah, bah, en sachant qu'en qu plus le jeu a 10 ans quoi. mais donc euh, voilà je sais pas quand ce podcast la date, j'ai pas fait gaffe mais en tout cas le jeu il sort le 21. Bah il sort euh... le podcast sera sorti ah, quand oui. le jeu sera sorti en fait. il sort le 21. Ouais, donc non, je, euh, crois être... a... je crois qu'on va annoncer la sortie du jeu. Ouais, euh... et ouais. tu pourras l'acheter directement, c'est incroyable. Ouais. C'est fou, c'est Ce ça, Ce ça sort aujourd'hui. Voilà, allez, <laughs> allez, 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 <rire> allez, allez, <rire> allez, allez vous chercher. Allez, allez chercher demain <laughs> donc demain. Ouais. Et donc, c'est le, le... Oui, oui, oui. oui donc oui ça c'est le vingt février donc c'est mardi euh, mardi prochain techniquement ouais. euh, et moi je voulais vous recommander rapidement euh, sur canal plus il y a la série euh, la nouvelle série de enfin, la série de Xavier Dolan qui était euh, qui s'appelle la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé et euh, mini, 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 mini série de ce, euh, 5 épisodes et qui est euh, vraiment vraiment cool bon comme d'hab hein, c'est du Xavier Dolan donc c'est drame familial hein, vous, vous imaginez bien le bordel hein, toujours hein, <laughs> c'est forcément oh <laughs> voilà mais si vous aimez l'univers enfin les films de Xavier Dolan techniquement c'est bon la, la série vous accroche il hein, n'y a pas euh, vous ne serez pas déçu clairement de, de la qualité du, déjà de, de, de la mise en scène et euh, bah, de ce que ça raconte quoi. donc euh, non, non, c'était une très bonne série en tout cas et voilà je vous le conseille donc la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé sur Canal+. Euh, voilà on peut finir l'émission Bien, très bien. Merci Parfait. Manu, merci Marvin et merci toi, Karim. Soutenez-nous sur merci. Patreon. N'hésitez pas à nous donner de l'argent pour écouter des épisodes exclusifs comme le dernier qu'on nous avons sorti qui était Astérix et Obélix, euh, l'Empire du Milieu. Hein, un épisode, comme on ouais, le l'a <laughs> Comme ça, avec les, les, les <laughs> deux, pouces, deux pouces et trois morts, trois morts durant l'enregistrement. Euh, on va remercier les donateurs qui sont euh, de, complètement maboules ce mois-ci, enfin ce, ce numéro-là, enfin, cette semaine, parce que j'ai eu pas moins de 10, 11 personnes, je crois, qui sont venues euh, donner de l'argent dans le Patreon. Euh, je ne sais pas si c'est une seule personne qui a 11 déclinaisons différentes. <laughs> Merci Manu de remettre oui. le, yes. le, le, le comics en, en, en page là, sur la, sur la caméra. Euh, donc, je vais remercier. José Luis Muniz pour ses 5 euros quel enfer pour ses 5 euros, merci à toi merci à Nanou Dele, merci à Rodolphe Métivier merci à Anthony Charles merci à Guillaume Gallop euh, merci à Raphaël merci à Antoine Cavici, merci à Warmi merci à Nicolas Dimier qui ont tous donné 5 euros par mois pour écouter du coup les épisodes exclusifs shitlist et merci également à Bastien Asenfat qui a donné 1 euro donc la formule de soutien standard hein, si vous voulez juste donner 1 euro symbolique par mois pour le soutenir donc il vient de le faire et c'est incroyable euh, retrouvez-nous donc la semaine prochaine pour vous parler de Soft Tales ah non, euh, le, le sujet est l'invité alors alors c'est Soft Tales de Richard Kelly et c'est avec euh, geoffrey crété de Écran Large qui nous parlera de, de, de sa passion pour ce film euh, Simon film... rédacteur chef faites pas les cons <rire> vous <rire> savez que ça va être peut-être l'émission où on va peut-être tout, tout débrancher à la fin c'est peut-être ça <laughs> c'est euh, voilà. non, non, possible c'est possible c'est possible ou c'est possible oui. euh, en tout cas voilà ce sera avec euh, Geoffrey euh, Crété euh, personne humainement euh, horrible, horrible hein. ça, oui à ce qui <laughs> paraît hein. condition de travail absolument dégueulasse chez Écran Large hein. c'est ce qu'on ce qu nous dit hein. c'est ce n'hésitez mm. pas à les cancel hein. franchement n'hésitez pas à les cancel voilà, on est là pour est dénoncer bien. ce soir, on est, là, on est là pour dire la vérité. Cheatlistpodcast.com bon. bon. pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict tout Spotify ou même Sans Critique, si vous voulez laisser un petit, voilà, une petite note avec un commentaire rigolo, n'hésitez pas, pas à faire ça. On le lira bien sûr et on, on s'exclamera comme des cons. Retour vers pour retrouver tous les épisodes de Shitlist Rewind et le début de la fin. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut! salut ciao! Salut. C'est Voilà, c'est bon. On est en euh, fin de live. J'ai mis l'écran de fin de live. Dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ah, mercredi, ouais. Qu'est-ce que tu fous à Nantes Qu'est-ce que tu fous avec l'avion jeudi matin Attends attends, je sais je sais plus pourquoi je l'ai décalé à mardi. Euh mercredi. Attends, je, je vais te le dire. Attends 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 attends, faut que je regarde juste mon agenda